Bonsoir, bonsoir. Attends, il est pas sorti du host encore. Quand tu veux, Twitch. Ok, je ne suis plus un hôte. Je ne suis plus un hôte. Il va y avoir des petites configurations à faire, de toute façon. Hop. Ah, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Ça y est, le bot a son avatar. Mustard pot, is finally a mustard pot. And real one. Navigateur de la PS2. Va y avoir des paramétrages à faire. J'ai quoi là-dessus? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Soul Calibur. Whiplash. Wipeout Fusion. Bon, ça va. J'ai encore de la place sur la carte mémoire. Tout va bien. Menu précédent. Alors. Comme CTR c'est fini, on restait sur du Crash Bandicoot. Mince, je fais des bêtises. C'est bon. Normalement, le CD va tourner. Donc on avait dit que je restais sur du Crash Bandicoot. Et là, pour moi, ça va être du territoire inconnu. Parce que je n'ai jamais fait ce Crash Bandicoot 4. Oula, fait un barouf la console par contre. Avec le lecteur CD du coup, comme c'est de la PS2. J'espère que ça va aller, j'espère qu'elle va pas exploser la console. Loading. Donc ça a l'air d'aller au niveau de... J'aurais peut-être pas à paramétrer du coup. Ouais, ça a l'air d'être bien. Je vais pas avoir à changer les paramètres de d'affichage sur OBS. Ça, c'est bien. Enfin, la transformation du... De la capture vidéo. Ouais. C'était Oxide qu'on a vu là, non? Developed by Traveler's Tales. Crash Bandicoot, the Wrath of Cortex. Alors, par contre, est-ce que je mets le jeu, je le garde en anglais ou est-ce que je le mets en français? J'ai envie de le garder en anglais parce que j'ai jamais fait le jeu, j'ai pas envie d'essayer de voir si les voix françaises c'est un peu celles qui ont été utilisées dans les anciens Crash Bandicoot, donc on va laisser en anglais. New game. Ah bah attendez. En honneur à notre. Par contre, ils sont pas fait chier sur la musique, ils ont repris exactement celle du 3 quoi. Version techno en plus. Voilà, en hommage à notre petit bot préféré. Alors, les fameux chargements de l'enfer, comme c'était dit sur cette console, est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Bon, ils sont assez longs déjà. Ouais, c'est bien de la merde les chargements sur ce jeu-là, je confirme. Au revoir de Dieu.
imbeciles, fools, nincompoops! Can't you idiots do anything right? According to this, your track record for spreading evil is pathetic! Uka Uka, it's not our fault that Richard Bandicoot is to blame! I will not let anything stand in the way of evil. Especially not a brainless orange marsupium. Crash must be eliminated. Uka Uka, need I remind you that Crash always finds a way to defeat us? Maybe he's just too good for us. Enough excuses! You five idiots need to come up with one good plan! Or else... How do I get into these situations? There must be something we can come up with. Say, Doctor, haven't you been tinkering with some kind of new secret weapon in your laboratory? I don't know what you're talking about, Entropy. Dr. Cortex! I think he's referring to this super-secret weapon you've been laboring over day and night since the last time Crash defeated you. Enough bickering! Do we have a plan? Well, in my scientific endeavors, I've been able to create a genetically advanced super-weapon of unbelievable strength. But the power source is the final missing crucial element. Yes! The Elementals! Right! The Elementals, that's it! If released, their destructive energy could create enough power to bring my secret weapon to life. We'd have a weapon capable of crushing mountains, demolishing entire cities, and wiping Crash Bandicoot off the face of the Earth forever! Get ready to face my wrath, Crash Bandicoot! Classique. On dit à coup. What's happening? No, it cannot be. Oh, no. Everyone all right? It appears that my evil twin brother Uka Uka is up to his no good tricks again. I must find out what he is planning. I'll meet up with you later. Hello, my feeble brother. You have gotten my attention, Uka Uka. What kind of diabolical scheme do you and Dr. Cortex have planned this time? No schemes. Just some old familiar faces dropping by for a visit. No, not the Elementals. Uka Uka, why did you release them? Don't you know what happened the last time they were free? So they were responsible for a few earthquakes, floods, and that little ice age a couple of centuries back. Cannot restrain them, Uka Uka. They are far too dangerous. This could spell disaster for us all. On the contrary, Aku Aku. It spells disaster for you and that precious planet you care so much about. Destroy him! You won't get away with this. Who's going to stop us? Crash, Coco, it is just as I feared. Uka Uka and Dr. Cortex have freed a group of destructive masks known as the Elementals. We must find a way to stop them before they destroy the Earth and all of its inhabitants. The only way to stop the Elementals' destructive nature is to imprison them with the use of ancient crystals. Each Elemental can be returned back to their hibernation state with a total of 5 crystals. We must act quickly. Coco,
What is the status of the new portal chamber you've been working on? It's almost finished. A few little adjustments here and there, and it'll be ready to go. Well done, Coco. This gives us the ideal opportunity to test it. We must hurry. Et bah putain, c'était une sacrée longue intro. Ouais bon, c'est du classique, hein, on va pas en chier des cakes. Crash Bandicoot, my old nemesis. How the heck are you? Still gathering crystals? Old habits die hard, don't they? My days are being spent on something much more intriguing. Meet Crunch, my newest creation. This is the creature who keeps sabotaging your master plan? Ha! You gotta be kidding. I'll exterminate this field rat in no time. Now, Crunch, your time with Crash will come soon enough. Isn't he brilliant? A testament to my true scientific genius. A real bandicoot. Warrior, unlike you, Crash. Oh well, we all make mistakes. Ta-ta for now. Il y a du charisme quand même, le Cortex, hein, pour un méchant. Bon, la petite sauvegarde, hein, pour éviter de devoir se retaper toute l'intro. Non, je ne veux pas sauvegarder, c'est bon, c'est déjà fait. Oh, le jump, il me paraît long, donc. Oh, ils ont gardé le... Light jump. Bon bah on va commencer, hein, niveau 1. Arctic Antique. Commençons. What are you looking at, Fuzzhead? I'm Rocco, the Earth Elemental. Uka Uka and Dr. Cortex woke me from my captive slumber, and now I'm free to pulverize whatever gets in my way. Oh, don't even think about collecting those crystals, Runt. Because if you do, I'm gonna bury you alive. Oh, j'ai peur. Je veux m'enterrer vivant, mon dieu. C'est quoi, c'est le quatrième écran de chargement qu'on se tape? C'est beau. J'aurais dû renommer Crate Loading le stream. Oh, ça va, c'est pas si long que ça. Ah bon, ça dure quand même assez longtemps pour des temps de chargement, hein. D'accord. J'ai fait deux pas, j'ai raté mon attaque. C'est génial. J'ai l'impression que le gameplay est vachement moins nerveux que les autres Crash Bandicoot quand même. Rien de très original, hein, pour l'instant.
Oh là, je suis déjà sur la glace là. Le son du jeu me paraît bien faible. Attendez, voilà. Mixeur de volume. T'as un tout petit peu chouïa mieux. Ouais, c'est 5. J'espère que j'ai rien loupé, dis donc. ¥147 caisses. Oh, je me demande si... A mon avis, j'aurais pas tout du premier coup, là. Il doit y avoir un secret de caché, je ne sais pas où. Sûrement un warp dans un autre niveau. Olé. Ça va, il n'y a pas trop d'input lag, de ce que je comprends. Ça a l'air d'être... Ça a l'air de répondre pas trop mal. Les sauts se gèrent comme Crash Bandicoot 2, ça c'est bien. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter en plein milieu du saut. Génial! Ah, et on meurt direct quoi, c'est même pas on perd... J'ai déjà récupéré 6 vies. Bon. Ça commence bien. J'ai eu deux morts hein, quand même. Fait des mouvements bizarres Crash quand il fait des high jump. C'est quoi ça? Oh, bonus round. It's bonus round. Le premier du jeu. Bien, wesh. Mince, j'ai trifouillé aux fenêtres. Mince.
C'est bon. Ah bah oui, passage de la gemme verte. Donc du coup, j'aurais pas 200% sur ce niveau-là pour commencer. Nani ? Ah bah si, ou alors le passage de gemme verte, il doit y avoir que... Il doit y avoir que des nitros dans le passage de la gemme verte. The loading of death. Tornado Alley. Oh mon Dieu. Non. Pourquoi le son il est fort d'un seul coup là ? Faut faire quoi ? Ah. Je ne comprends rien de tout de ce qui se passe. Je me fais moins défoncer que dans le 3 quand même. Hein. J'ai eu 13. Elle est où la dernière ? Là-bas. Ouais, ça va, c'est pas aussi dur que dans Crash Bandicoot 3. Et retemps de chargement. Je crois que c'est plus de trucs qu'on va voir dans le jeu là. Les loadings.
Bamboozled. You want a piece of me, Bandicoot? Huh? Huh? Do ya? Huh? Wuss. Loading sur 20. Ah, mais il va y avoir que ça dans ce jeu-là. Rebluff. Ça va un petit peu mieux que tout à l'heure, parce que j'étais un peu dans le cirage complet. En plus, on parlait, y a ma mère qui est venue me voir, on parlait des impôts qu'il faut que je vois pour... que je dois faire, quoi, en gros. Donc, genre de choses qui donnent la pêche à fond. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je suis dans une bouboule? Quand même, sur les trois premiers niveaux, j'en ai déjà fait deux où c'est autre chose que de la plateforme. Is this Super Monkey Ball? Je peux faire quoi en bouboule? Je peux juste bouger. Perds pas la boule! Wouhou! Ah, les caisses. Ne pas oublier les caisses. Il y en a 125! What? Les 3 là, je sais même pas, j'ai un peu de mal à voir, c'est un peu flou en fait sur le retour d'Amarek. Une espèce de flou de mouvement qui est un peu bizarre. C'est les montagnes russes. N'oubliez pas que vous pouvez trouver un petit sachet qui se trouve sous votre siège en cas de nausée soudaine. Après, si vous en avez pas, c'est votre problème. Hein. Je contrôle pas ce que vous avez sous votre siège. Faut aller par où? Il y a rien qui dit de quel côté faut aller. Et toi, bleu, comment ça va sinon? Ce niveau, on est où là? On est chez Ewok. Ah, le big guess. Ah, mine de rien, j'ai déjà pété 75 caisses. Wow, du calme. Nitro dans le coin. Oh, mais il y a aussi un petit secret. Hop. Fuck. Je suis où? Attends, je peux revenir en arrière hein. Ah si. Oui. Ah mais je suis revenu loin. Merde. Enfin je crois.
Elvis, ça s'entasse assez vite, hein. Ouais, je suis revenu ici, putain. Doucement, 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 doucement. Ça me rappelle, tiens, un peu le niveau avec la boule de neige dans Croc 2. Bonsoir Magic Chronos, comment vas-tu? On va prendre le checkpoint, ce sera mieux, ça évitera de revenir beaucoup trop loin. Alors qu'est-ce qu'il y a à droite? Putain, je sens ma PS2, enfin je sens le meuble vibrer avec la console qui vibre elle-même avec le lecteur CD quoi. Ça va tranquille. C'est la fin du niveau. Pourquoi c'est déjà la fin du niveau? Qu'est-ce que c'est que ce beans? Ah d'accord, c'était juste un passage de backtrack. Ok, non, saloperie. Je me suis laissé prendre trop de vitesse. Bon, ça va, je reviens ici, de toute façon, j'avais rien pété entre deux. Juste essayer de voir de ce côté-là, tranquillement, ce que j'avais loupé tout à l'heure. C'est-à-dire que dalle, ok. J'adore. Ouais, écoute, ça va pas trop mal, hein, après... Je découvre tranquillement le Crash Bandicoot numéro 4, la colère de Cortex, que je n'avais jamais fait. C'est la fin du niveau. Ah mais il y a la caisse Nitro. Du coup j'ai tout, je vais avoir mon petit diamant. Ne pas l'oublier surtout. Salut Jill, comment ça va? Bah ça va. Ça va. J'oublie un peu le fait qu'il y ait des impôts à faire. Que du coup je vais faire d'ici la fin de la semaine. J'ai pas envie de voir déjà combien je vais devoir payer. C'était bien. D'accord. Le premier crash. Ok, mon premier crash, moi, c'était le 2. Le premier que j'ai joué. D'ailleurs, le jeu n'était pas à moi, il était à ma sœur. Parce que ma sœur, en guise de premier jeu, avait droit à Crash Bandicoot 2, Tomb Raider 2 et je ne sais plus quel autre jeu. Et moi, c'était un jeu de foot et un jeu de Formule 1. Quoique jeu de F1, je l'aime toujours autant et je l'ai toujours d'ailleurs. F1 97. Fatigué. Oh. Oh cette musique. Oh les magiciens du 3, ils sont revenus. Ah, une autre chauve-souris. Oh, j'avais pas vu les chevaliers en caleçon.
Alors, est-ce que c'est une référence à Ghouls and Ghosts? Ghosts and Goblins, j'ai jamais le nom du jeu. Honte à moi. Et déjà un niveau bonus. Et tiens, Jill, je sais pas si t'as remarqué dans les streams Avatars. Ah, tu viens de YouTube du coup. On essaiera de faire un petit arrêt sur image si j'en vois un. Ah, des nitros. Petite pointure 13. Ça va, je les ai ragrandis là pour le coup. C'est plus pointure 13. Arrêtez les conneries. Non, j'ai fait une bêtise. Non. Non, la caisse. Il n'y a pas le jump glitch comme dans le 2. Mon dieu. Oui. J'avais pas vu la caisse one up. Par contre, le décompte de Wumpa, s'il te plaît, je veux pas le skip. Oh, hé. Hey. Arrête de la triquiter, s'il te plaît. Tu sais très bien que je suis très fier de ma création. C'était trop tard. C'est pas tout à fait les mêmes contrôles que dans les autres. Enfin si, c'est les mêmes, mais faut prévoir de sauter plus tôt. Ça va, dans les niveaux bonus, on ne perd pas de vie. J'ai failli péter la caisse pour sauter. C'est génial. Cette fois, on va pas faire le con. On va essayer de ne pas faire le con. Voilà, c'est bon. Un petit peu peur. Et Jill découvrit la commande Hug des streams Avatar. On dirait qu'il danse lambada. Oui, désolé, il n'y a pas d'animation pour les Hugs, j'en ai pas fait parce que je suis nul en animation. C'est vraiment du truc basique. C'est, il marche, il bouge un peu la tête et puis c'est tout. La tête, les pieds, les bras, les jambes, puis rien d'autre. Comment ça se fait que c'est vide là? Merde, je backtrack. Ou d'ailleurs, un niveau qui est dans ce sens-là, c'est mauvais signe. Ah mon dieu. J'ai jamais été aussi mauvais à un jeu de plateforme de ma vie. Heureusement que ce dragon là il fait pas ma main main. Non. Faudrait que je vois s'il n'y a pas moyen de désactiver cette commande fart. Salut l'ange Gabriel, comment vas-tu? Et
Crash 1 sur PS1, oui, je l'ai, Crash 1 sur PS1. J'ai la trilogie complète sur PS1. Ah, j'ai regardé ailleurs, j'ai pas vu que le dragon il s'était... Est-ce que quand tu les casses, yes. Ça va. Je découvre Crash Bandicoot 4 que je n'ai jamais fait. Est-ce qu'il pète aussi les nitro? Oui, mais pas tous. J'ai intérêt à essayer de sauter beaucoup plus tôt que prévu. Ah, une chauve-souris. Voilà, ce que je disais, ils ont des c'est un caleçon qu'ils ont. Parler de dragon, tiens. Voilà le confrère Azur. Salut Azur, comment vas-tu? Ils ont des caleçons, on est d'accord. Ils sont en caleçon, on est d'accord. Quand ils sont blancs à pois rouge ou à petit cœur rouge, on voit pas très bien parce qu'on est loin. Non, c'est le 4 celui-ci. Salut Dracons. Ça va toujours? Elle est où la chauve-souris? Ah, j'ai raté, j'ai pas eu de bonus. Il manque des Wumpas. Oh, mais non, il faut une gemme verte. Oh purée, j'ai sauté trop tard encore. Ah, le timing il est pas exactement le même que dans les autres Crash Bandicoot, ça me perturbe. Bravo! J'ai un peu de mal avec les. Un peu de mal avec les profondeurs de champ. Ah bah bravo. Ouais, oui, si, il y en a eu plein des Crash Bandicoot en fait, en dehors de la trilogie classique. Parce qu'il y a eu la revanche de Cortex, il y a eu Twin Sanity, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme Crash Bandicoot? Il y a eu des Crash Bandicoot sur Game Boy Advance. C'est le dragon qui fait Mao. Bah non, je fais Mao aussi moi. Enfin, sauf que c'est pas... Ouais, c'est plutôt parce que j'ai chopé la maladie du Momama. C'est pour ça. Sinon oui, je faisais pas attention, du coup la caisse elle s'est solidifiée, du coup je peux pas la casser. Mais sinon oui, le moment c'est copyrighté par Azur. Donc j'espère qu'il ne l'a pas entendu et j'espère qu'il va pas m'attaquer pour droit d'auteur. Bien sûr. J'ai le droit Azur. Tu m'attaques pas. Tu m'attaques pas pour droit d'auteur. Attention, au pire, si j'ai des soucis, je fais appel à Artegon. Est-ce que je peux leur... Non, je peux pas. Je veux essayer de leur sauter sur la tête parce qu'ils sont placés de façon comme si qu'il y avait quelque chose en haut à atteindre en leur sautant dessus. Oh mon dieu. Il se ferait beaucoup de money. Je suis tellement mauvais des fois. Non! J'ai fait une bêtise! Non, c'est bon. Je suis prêt à parier qu'il y a un truc là-haut. Ou pas? Slow clap. C'est quoi ce truc? C'est pas c'est quoi? J'ai rien vu! J'ai juste pété la caisse nitro!
Et j'ai encore cassé cette caisse là. Et j'ai perdu mon seul masque que j'avais eu droit parce que le jeu il trouvait que j'étais mauvais et du coup je n'arrêtais pas de mourir et que j'avais de droit à un masque parce que sinon j'allais encore mourir. D'ailleurs, Azure, j'espère que ça va mieux, du coup. Moralement. Tu nous disais que ça allait pas très bien hier. Oh, I'm gonna shake, rattle, and roll your bandicoot butt. Oh, qu'est-ce que c'est que ce niveau? Oh non. Oh non. Oh purée. J'ai encore un mauvais souvenir de ce truc-là dans Croc. Pourquoi il y avait une caisse nitro sur... Ah. Bon bah j'ai raté... Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Mon dieu. J'ai raté un passage gem parce que je n'avais pas la gemme qu'il fallait. J'ai raté des caisses. Je ne sais pas du tout si je peux avoir toutes les caisses ou pas du premier coup du coup ici. Du coup. J'aime bien me répéter. Ah, il y avait un passage à gauche. Ah, j'ai raté une caisse. Non. Faut faire quoi? Genius. Comment? Comme ça, voilà. C'est quoi le passage à gauche au début? Je veux savoir ce que c'est. Je suis curieux. D'accord. C'est un passage pour crever. Non, honnêtement, il doit y avoir quelque chose. Oh, mais non! Ça me saoulait. Avoir un timing de chinois. Ouais, c'est juste pour aller plus vite à mon avis pour la relique de platine, enfin la relique tout court même. Ouais, c'est un raccourci. Bon, on va se concentrer sur les caisses. Allez, c'est parti. Enfin, c'est la bonne. Non, c'est pas un piège, c'est juste un raccourci. Pour le time attack. Allez, concentration. Faut faire bien attention à la position des caisses. Oula, j'ai failli la louper celle-là. Vous voyez un petit peu à la dernière seconde. Mon dieu. Ça y est. Checkpoint. Oh, on passe sur de la plateforme, tiens. Les ennemis ils sont pas ouf hein. Ça marche Azure, merci d'être passé, bon stream à toi, des bisous.
Maman. Non. Non, les Wumpa. Ah. Merci pour les bits, Azur. Merci beaucoup. Sacré Azur. N'hésitez pas à aller jeter un œil à sa chaîne aussi. Hein. Il va streamer d'ailleurs d'ici quelques minutes. Messire Dragonnet. Alors, qu'est-ce que c'est que cette horreur ? Oh ! Oh ! Ok. C'était quoi ça? Un très joli bug. Ouais, bon, j'ai un petit peu de mal, hein. C'est pas super précis les contrôles. Allez, encore une fois. Ah là, le souci, c'est les contrôles. Ou c'est moi peut-être qui a plus du mal. Et pourtant les contrôles sont pas si mauvais que ça. J'ai juste un petit peu de mal en fait à me diriger précisément. Bon c'est pas grave, on aura loupé une caisse mais de toute façon il est quand même compté dans le décompte final. 2, 3, 4, 5. Ouais, j'ai un petit peu mal à déplacer précisément. Merde, je ne savais pas. Bon bah tant pis pour la vie. Bon ça y est, le bonus a été fini. Oh non, des pistons. Oh, dis donc, ça n'a pas l'air très compliqué à passer. Hein. D'accord, j'ai pas été touché par sa fiole. Oh, elle se pète directement les caisses. Je m'attendais pas à ça. Bon, les ennemis, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué dans ce jeu-là. Hein. Et donc, plus office de figurant qu'autre chose. Hein. Nickel, j'ai le diamant.
Ils font tâche quand même ces temps de chargement. Mais on est déjà au premier boss du jeu. Rumble in the Rocks. Well, well. Looks like the bandicoot's been busy collecting crystals. I warned you, bandicoot. Finally, I get to wrap my fingers around your puny orange neck. Un combat de boules, c'est Naga qui serait content. D'accord. On va faire quoi? What the... Qu'est-ce que je dois faire? Ah mais j'ai un radar. Mais c'est de la triche. Mais ta mère! Je peux rien faire. Mais c'est de la merde. Comme dirait ce cher Jean-Pierre Copé. Mais c'est de la merde. Bon, à mon avis, ça va se solder par un échec dès le début. Ouais ouais c'est bon bleu, j'avais deviné. T'inquiète pas. Alors par contre faut que je puisse y toucher les trois d'un coup sans qu'il y retouche. Tout en l'esquivant. Du fun en perspective. Oh là là j'adore. Alors par contre lui, dès qu'il a moyen, parce que les contrôles, putain, les trois sont plombs pour faire demi-tour. Oh là 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 là, ce boss fight ignoble. Et le pire, c'est qu'il me reste juste un hit à lui donner et je suis sûr que je vais crever juste avant de réussir. Ah, ce troll. Il en a touché une, il en a touché deux. Ouf, cette esquive. Bon, ça va pas durer bien longtemps, bien sûr, mais. Oh, du fun en perspective. Bon, c'est un petit peu plus ce qu'on doit faire, mais. On va éviter. Allez. Ah, je déteste ce boss. Je déteste déjà ce boss. Zéro musique. Si, il y a la musique. Comment ça se fait que tu l'entends pas la musique? Ah, pourtant, il y a la musique, on l'entend bien. Ah, ce boss. Non mais what? Ce boss est une purge. Et c'est que le premier. Mais non! Mais quoi? Pourquoi elle est devenue orange alors que c'est moi qui l'ai touchée? Ah pourtant elle est forte la musique.
sont les autres boboules. Ah mais il y en a une qui s'est carrément arrêtée quoi. J'en ai une. Bon, il m'en faut 4. Ce qui est très mal barré. Surtout avec l'autre qui me... 2. Non, pas de touche. Non. On est à 2-2. Oh lélé, oh là là. J'ai manqué une troisième. Je déteste ce boss. Non, touche pas la petite pouboule. Laisse-moi les pouboules. Ah, ça y est. Ah, papy prostatus. Oh mais en même temps, papy, tu sais, il est très fatigué, il n'a pas le temps de s'occuper des petits jeunes. Tout sneak. Ah, ah, je peux marcher sur les caisses nitro. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. C'était le premier boss du jeu. Cortex, when are you and that super weapon of yours going to put an end to that interfering bandicoot? You are beginning to test my patience. I'm working on a Dukauka. Listen, Crash, you may have outsmarted Rocco, but there are 3 more elemental masks where he came from. And just as luck would have it, they are all significantly more powerful. Ha! I have no doubt that the water elemental, Wawa, will make sure you never see the light of day. Yeah, the water boy and I are gonna take you out. Ooh, I'm gonna rip you limb from limb. Mais pourquoi tu le fais pas littéralement au lieu de te faire des trucs de merde genre combat de boules? Ok, il y a un truc très crade qui vient de me passer dans la tête après cette histoire de combat de boules. On va passer les détails. Crash Bandicoot, you've got some nerve setting foot into my domain without an invitation. Don't talk back to me. I'll fix that attitude problem of yours. C'est un masque ou un JoJo's en fait? Salut l'ange Gabriel, bonne soirée à toi, merci d'être passé. Des bisous. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce pygmé? Il avait une tête chelou. Je savais pas qu'on pouvait faire danser Crash. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Qu'est-ce que c'est que ces trucs?
des choix de design très étranges. Il est où le singe qui gueule là, que je lui casse sa tête? Veux-tu bien grimper au sommet de cette pile de... Je déteste les contrôles. Ah, c'est bon. Saute mouton. Plein de caisses nitro là à droite, je sais pas c'est quoi. Pourquoi y a-t-il autant de caisses nitro d'un seul coup? Il y a une caisse de cachet, même deux. Non, cassos. Il y a une petite jeep, un petit buggy. Ah, la TNT n'a pas explosé, je suis étonné. Non, Crash, évite. Évite de faire ça, s'il te plaît. Ah, voilà le fameux passage sur les nitros. D'accord. Ça fonctionne comme ça. Voyez-vous ça? Un super saut, s'il te plaît. Oh non, pas ça. 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon. 49 caisses sur 49. Impeccable. Allons voir ce véhicule. Oh merde, son marche arrière. What the fuck? Comment je suis censé avancer plus vite en appuyant sur croix? Ah non, j'ai loupé une caisse. Ah c'est bon, il les pète pour moi. J'appuie sur croix, on sait jamais.
Ah non, la caisse. Ouais, il les pète pour moi. Impeccable. Je vais pas trop m'en soucier. Sauf celle-ci, peut-être. Et j'en ai loupé une. Ça va être chiant. Pas louper la caisse, voilà, en tout cas. On va partir d'ici. C'est bon, tant qu'il y a les rhinos qui sont là. Ils vont me faire le boulot à ma place, sauf si je me prends des nitros dans la gueule. Ne pas retoucher les mêmes nitros que tout à l'heure, quand même. C'est bon. Nous sommes sains et saufs. Normalement. Impeccable. Ça va, c'est sympa pour le moment. Pas non plus ouf. Mais ça va, ça se laisse jouer comme jeu. Ça se fait tranquillement. Seychelles Shenanigans. Pour l'instant, j'ai pas rencontré de difficultés particulières, hein, pour être honnête. Ouais, niveau sous l'eau. Si je peux les péter, les méduses. Je peux leur casser la gueule. Ah, mais il y a des caisses cachées dans les algues. Bon, j'ai intérêt à faire gaffe à ça. Parce que je viens de le découvrir totalement par erreur. Il y a des quinquins. Ne reste pas bloqué là. La caisse, ça va devenir solide sinon. Aïe. De la nitro. D'accord. Pourquoi il s'est barré vers la nitro alors que j'appuyais sur haut, pas sur droite. En fait, c'est bien fun tout ça parce que ça veut dire qu'on va devoir faire comme dans Crash 3, c'est-à-dire faire des reliques. Je suis pas pressé. De façon de chasser à l'harpon. Les musiques sont assez particulières. Hein. Fait très très original hein, pour un niveau aquatique hein, honnêtement. Ils ont pompé sur ce qu'ils avaient fait dans le 3. D'accord, ok, d'où je me fais toucher ici. Merde, je sais pas par où faut aller. Thank you.
c'est par où? Ah non, faut aller à gauche. Tu vas me péter cette caisse, s'il te plaît. S'il vous plaît, un checkpoint. Littéralement le pif dans les TNT là. RIP. Ah, parce que ça me tue directement, d'accord. Du fun en perspective, encore une fois. Non mais sérieusement. Paye ton truc que tu peux pas voir quoi. Pas de 1 SVP. Ah, je peux carrément exploser les Woompas quoi. Toujours peur de la petite bombinette. Bon, je vais avoir moins peur de la petite bombinette. Thank you.
Je ne vois rien du tout, c'est... Les joies du décor. Voilà, c'est le genre de truc bien putassier ça. Parce que du coup j'ai pas vu qu'il y avait une mine. Et du coup je me la suis prise en pleine tronche. Spammer hein, comme on est sûr. Faut aller où? Non, reste pas là. C'est où, à droite ou à gauche là? Ah mon dieu, la poisse. Oh, on revient directement avec le vaisseau. Enfin, le sous-marin. Est-ce que j'ai le droit de jouer SVP? Fuck. J'ai fait une connerie. Arrêtez de faire des conneries. Ah, du coup, ouais, j'ai perdu les 2 vies que j'avais gagnées en faisant ça de requin de... Ah. Shark you. Je déteste ce putain de bombe. Enfin, ces putains de mines. Pas des bombes, c'est des mines. C'est un troll qui ne paye pas de mines. Ah mon dieu. Arrêtez ce stream tout de suite. J'avoue que la musique est sympa. Marthe, c'est mine. C'est bon. On a l'air d'être à la fin vu qu'il y a la caisse explosive de nitro. Yes. There we go. Barouf avec son lecteur CD. Ça va, on l'entend pas. Enfin, du moins, j'ai pas l'impression vu que j'ai pas j'ai pas OBS qui s'excite avec le son de la console quand je parle pas. Banzai Bansat. What the fuck is this? Oh, on joue avec Coco, je crois. Mmh.
Merci de ton intervention, Wawa. Leave my levels alone. Laisse mes niveaux tranquilles. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On joue avec Coco. Oh, ce Mawashigiri. Elle a pas l'air très forte, la Coco, hein. Coco d'ailleurs qu'on peut jouer dans Insane Trilogy. Et du coup Insane Trilogy n'est pas le premier jeu, on peut littéralement jouer Coco en phase de plateforme. Oups, c'est un petit lézard. Oh, y'a un ninja. Y'avait un ninja. Ou n'était-ce qu'une illusion? Ninja. Le labyrinthe. Désolé les petits lézards. J'ai besoin de passer. Oh là 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 là. Oh les ninjas, ils sont mauvais. C'est moi le ninja. Oh, mais c'est quoi ces ninjas rose bonbon en fait, ou violet clair. Oh mince, j'avais pas vu que c'était un trou. Ah bah bien, ouais. Ah mais y'a un passage pour la gemme rouge. J'en ai pas encore vu de gemme colorée. Ouais, j'aurais peut-être dû refaire le... Mince! Ouais, j'avais pas vu en fait le matelas qui s'est barré tout à l'heure. Ça a l'air d'être un matelas. Oh, le gong. Jean-Michel Mixage, c'était lui.
suis trop fort. Par contre, on m'explique comment... J'étais soucié que de la casser comment cette caisse là, j'ai pas eu le temps de voir. J'espère que les deux restantes c'est bien des caisses nitro. Merde, je peux pas revenir en arrière. On va faire confiance. Les Wumpas. Non. Ah si. Oh. J'ai eu peur. Quand j'ai vu la caisse manquante, j'ai eu un petit peu beaucoup peur. Ouais bon, je suis... Comment dire? Il est sympa, mais sans plus, ce Crash Bandicoot, en fait. Ah, j'ai vraiment eu peur, cette caisse qui manquait, quoi. That sinking feeling. Il est mais pas mais quand même, je sais pas, il a ce petit côté sympa mais je sais pas quoi dire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, on a encore un niveau avec des avions. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce niveau ignoble? C'est de la merde ce niveau. J'ai rien d'autre pour tirer. Fait agresser, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas où sont les trucs que je dois ramasser. Il y a déjà plus de caisse de santé. Ce niveau c'est de la merde. Oh, j'ai eu un bateau. Oui. J'ai eu deux bateaux. Quatre. J'ai eu une vie, je ne sais pas comment.
Nani? 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 What? Non. Oh, cette blague. Oh là 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 là. Il est vraiment chiant ce niveau. On va prendre une caisse de soins. Je me fais agresser par derrière. Sans pouvoir esquiver ni quoi que ce soit. Ce bruit des ballons quand ils explosent. D'accord, il y a un truc qui a été faire le kamikaze sur moi, qui m'a retiré plein de vie. Ah, c'est chiant. Le niveau est nul. Ah, ça y est, enfin. Je peux apprécier d'essayer de faire la relique là-dessus. Oh, misère. Puissant, il était vachement fort sur ce niveau pour une raison qui m'échappe. Alors ensuite, H2O, bravo. Il était pas dur non plus niveau, mais c'était un bordel de fou, toi. Merci de ton intervention, Baba. Donc je disais, ouais, le niveau était pas dur, mais c'était un foutoir pas possible. Oh fuck no. Oh non. Encore. On ira à la casquette des niveaux aquatiques. Très joli piège. De toute façon, la best libellule, c'est Sparks. 9-7. Qu'est-ce que c'est que ce truc au sol là?
Hop, 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 doucement. Ça y est, enfin, un peu de plateforme. Oh non. Que je dois faire là, je dois quand même pas sauter sur les caisses. Oh mon dieu. Tu vas pas me dire. Attends. Pas possible. Comment je la chope cette caisse? Comment je chope cette caisse? Allô? Wow. C'est pas grave. Tu vas pas me dire qu'il faut que j'attende d'avoir un autre truc. Sur notre premier niveau, on ne peut pas... On ne peut pas que progresser sans l'acquisition d'un autre pouvoir. Bon allez, fini les conneries. Faut y aller cash. Ça me fout un peu les boules, hein, je vous avoue, pour une caisse de merde. Je sais pas pourquoi il me faut absolument les caisses, même si je sais qu'il m'en manque une. Les sbires les plus dangereux du monde. Ne tombe pas, s'il te plaît. Bien, wesh. Aïe, aïe, aïe. Oh, t'es sérieux, mais... Les morts débiles. Non, mais faut arrêter. A chaque fois, je touche pile au moment où la hitbox de la tornade s'arrête, quoi. Thank you.
Non, non, ça va aller, t'inquiète pas. Tu peux ranger ce pot de moutarde, il est déjà présent sur Stream Avatars de toute manière. Mince, j'ai glissé, chef. J'ai reglissé, chef. Fuck. J'ai encore glissé, chef. Veux-tu casser ces fichues caisses quand je saute dessus, s'il te plaît? Merci. Ah oui, lieutenant. Je sais pas pourquoi je m'entête à casser toutes les caisses alors qu'il m'en manque une. Arrêtez d'avoir du savon sur les semelles. C'était peut-être de la moutarde. Ah mon dieu. Les contrôles sont trop sensibles en fait. Enfin, c'est soit c'est trop sensible, soit c'est pas assez sensible. C'est ça qui me saoule. Oh genre j'ai raté la caisse. Oh cette blague. C'est fou de moi le jeu. Bon, de toute façon, il manque des caisses dans le niveau bonus. What the fuck? J'ai appuyé sur carré pour attaquer. Merci le jeu. J'allais dans l'eau. Ah ouais. Donc ouais, il me manque. Oh, dis donc, il me manque beaucoup de caisses. Oh, il y a pas un petit passage secret dans ce niveau par hasard. Qui pourrait expliquer pourquoi on a besoin du double saut aussi. Ah bah oui c'est vrai aussi, j'ai raté le... J'ai pas fait le niveau bonus du coup. C'est pas... pas étonnant. Mais il me semble qu'il faut un double saut hein, dans tous les cas. C'est impossible d'avoir les autres caisses. Bon, bah le boss. Drain damage. Drain damage. C'est pas du niveau de Crash Bandicoot 3 au niveau des interventions des boss. Ça c'est nul. Qu'est-ce que c'est que ce truc? D'accord, je rate mon saut dès le début. Bien joué. Tu te fous de moi ? J'ai sauté sur la plateforme, il a glissé sur le bord. Genre normal. Ok. Éviter de foncer trop. Alors, je fonce trop, tête baissée, sans réfléchir. Parce que je sais pas en fait si les plateformes se barrent. Oui, elles se barrent. Tu te fous de moi, j'ai sauté par-dessus.
du fun en perspective encore. J'adore. Je ne sais absolument pas si... J'ai sauté! Je ne sais absolument pas si les plateformes finissent par couler entièrement. Du coup, je ne sais pas si... Hitbox de merde! Eh, le jeu, il se fout de ma gueule. J'ai attaqué tout à l'heure, il a pas touché. Pourquoi? Je ne sais pas. Non, j'aurais pas dû. Tu te fous de moi? Mais il se fout de moi! C'est pas vrai! Il se fout de moi. Non mais les morts débiles, c'est bon, c'est fini. Stop! Arrêtez de se foutre de ma gueule. Arrêtez de se foutre de ma gueule. Quand j'attaque, j'aimerais bien que ça touche aussi. Merci. J'ai sauté. On est d'accord. Eh, sérieusement, c'est chiant. Seulement quand le jeu il décide que les hitbox des attaques sont aussi grosses que son cul. À ce putain de boss. Ça fait des chocs à pic. Non mais sérieux, faut arrêter là. Je saute par-dessus et je me fais quand même toucher. Faut arrêter les conneries. Merde, j'ai sauté trop tôt. Non mais putain, c'est pas vrai. J'ai encore glissé de la plateforme, c'est n'importe quoi. Ça me gave. Bon, ici je me baissais alors que ça servait à rien, j'ai sauté trop tard. Bon, cette fois c'est la bonne. J'ai rien dit, je se fous encore de ma gueule. J'adore faire des sauts de 2 cm de large. Enfin de longueur, pas de large. J'ai encore sauté trop tôt. Mais sérieusement, ça me gave. Ça me gave! C'est ma faute, j'aurais pas dû sauter. Et je vais réussir à faire un game over sur un boss de merde. C'est quoi cette caméra qui s'est éloignée? C'est quoi ça? Oh, c'est pas fini encore. Le voilà, le double jump. Et là, je le one shot, genre sans problème quoi. C'est pour montrer à quel point le boss c'était vraiment en fait de la merde. Mais non. Non, c'était le moment loi de Murphy. C'est ce bon moment quand vous jouez à un jeu où il y a un passage super simple, vraiment très con à passer, mais que vous foirez en boucle juste parce que... YOLO. Parce que, juste pour faire chier en fait. Non, ça m'a saoulé quoi. Les hitbox de merde de ce boss. Making a mockery of me in front of my minions. Not only have you defeated the elemental masks, but you are still collecting those worthless crystals. Well, you've gotten this far, and this is as far as you're gonna get. Pyro, the fire elemental, will see to that. Oh, Cortex,
Vortex, come on! I don't need some flaming mass to help me. I can take Crash on by myself! Crunch, you will do as I say. You and Pyro will vanquish Crash and his annoying friends. On se fait chier, voilà. Bisous. The Gauntlet. On va peut-être faire un dernier niveau. Juste histoire de pas finir sur un truc de merde comme le boss précédent, hein. I realize my brethren have had some trouble with you, my little orange friend, but I'm not quite sure why. Is it getting hot in here? Is it safe to be wearing that fur? It looks flammable! Is it safe to to be wearing that fur? Feu. L'anneau de feu. Non, pas ça. J'aime bien le feu, mais on arrive dans un château. Normal. J'aime pas trop. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Encore les chevaliers en calbar. Ah, utilisation directe du double saut. Sympa ça. Les guillotines qui sont... Oula, bah disons que les guillotines elles font vachement moins peur que dans le premier Crash Bandicoot, hein. Non, j'aurais pas dû faire ça. Feu château. Ouais. Heureusement que ça se voyait qu'il y avait un truc en dessous. Parce que je veux essayer de me faire de la faire, mais vraiment à l'envers quoi, pour le coup. Château en feu, mais bien sûr. Tout n'était que conspiration. Oh, franchement les pièges ouais tu devines les cycles des pièges à et genre super simplement quoi. Y'a rien de compliqué pour les éviter. Le jeu a vraiment perdu en nervosité comparé aux épisodes précédents. Oh les niveaux bonus. Ok. Joli troll. Très bien. J'ai trop pressé la touche pour courir. C'est vraiment des morts de merde que je fais quoi. Fuck! J'ai voulu aller trop vite. Oh, mais je sais comment je peux la péter cette pièce.
Voilà, comme ça. C'est tellement ça. Ah, le niveau bonus, oui. Sprouch. 5. 3. 4. 5. Ça me fait un peu peur à chaque fois les sauts comme ça. Donc 29 sur 35, j'espère que le reste c'est vraiment que des caisses nitro. J'ai toujours pas vu de gemmes colorées là depuis tout à l'heure. Il y a déjà un peu plus de pièges. Allez. Il y a déjà un peu plus de pièges, hein. Oh, une death route. Une death route. Oh, il y a de la nitro partout. Comment j'ai réussi à esquiver la lame? Faut qu'on m'explique. Et là je me fais toucher. Oh fuck. Dites-moi que je la conserve. 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 Yes. C'est bon. C'est comme les anciens Crash Bandicoot. On a la première gemme colorée du jeu. Est-ce vraiment la première qu'on ramasse? Ou est-ce que c'est juste que les autres j'ai pas vu auparavant? Ouh, ça va. Non, tu te fiches de moi. Comment il m'a touché? J'étais au-dessus. Son attaque, elle est au sol et il a quand même réussi à me toucher alors que j'étais en l'air. Fait en toute délicatesse. Alors la caisse nitro, on va faire très gaffe à pas la toucher. Yes. Nickel. Bon, voilà. Bon. Ah non, c'est pas la rouge, c'est la violette. Et donc, ça se voyait pas très bien. Hein. Donc, le prochain niveau, ce sera Tsunami. Sauf que je vais pas le faire aujourd'hui, du coup. Je le ferai la semaine prochaine. Parce que, mine de rien, on a déjà fait deux mondes sur les quatre. Hein.
plus un... Oh, il y a un cinquième monde. C'est un monde secret, je sais pas. On va sauvegarder. On a fait 25%... Ouais, 24% du jeu, 25%. On a fait un quart du jeu, c'est pas mal. C'est un bon début pour un premier stream. Et à mon avis, ouais, il va être fini, il va être expédié assez rapidement, ce Crash Bandicoot, je pense. Allez, qui c'est qu'on va host? Qui c'est qu'on va hoster? Enfin, j'ai pas grand monde pour hoster, mais... est-ce que Sobor est encore en stream ou pas? Non, il stream pas. Ah, je pense que je vais streamer Azure. Je vais hoster Azure comme d'habitude. Ah, on va aller rejoindre Azure. Allez, moi je vous fais des bisous. Ça fait pas beaucoup de live. Faut voir après parce qu'il y a encore toutes les reliques ramassées. Ça peut prendre un peu de temps aussi, ça. De toute façon, quand il sera terminé, il y aura un autre jeu, bien évidemment. Et une fois que le jeu suivant sera fini, donc j'aurai plus de Crash Bandicoot à faire avant l'arrivée de Insanity. Donc, je ferai peut-être autre chose en attendant. Enfin, je sais pas, je verrai. Là, sur ce, moi, je vous fais des bisous. Et demain, normalement, si je suis pas crevé, c'est du speedrun de Croc. Allez, merci à ceux qui sont passés, des bisous.